Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller et on continue l'aventure du jeu. Sable live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Allez, la recherche de LLOR. Je me demande si c'est loin.
demande si c'est ici. Ah, c'est là. Bonjour novice, j'avais des chefs dans mon clan, et donc le sale créateur, j'imagine que tu es un Abexi, passe bonjour à ma part à Oman, bonjour novice. C'est quoi cette statue, tu la connais peut-être, c'est Oana, une bergère de légende, on dit qu'elle était originaire de la baleine et que son immense troupeau comprenait les ancêtres de nos animaux actuels. On nous enseigne de garder notre troupeau près de ces statues maintenant. La statue maintient les animaux calmes, bien nourris et en parfaite santé. Bonjour, novice. Juste pour toi. Et vous, Elior? Ah, tu recherches Lior, je l'adore. Elle est géniale, aux dernières nouvelles, elle comptait se rendre dans la plaine Soldarine. C'est grand là-bas, parfait quand on a envie de changer d'air. Je la remercie de son aide. Je peux faire autre chose pour toi? Cet endroit était l'un des nombreux postes constitués de tant de scarabées autour de Maiden. Il tient son nom de ces vieilles arbres brûlés, mais j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'un chêne comme espèce d'arbre. Beaucoup de gens passent par ici et c'est une excellente idée d'aller leur parler quand on se fait la quête aniatique. Et qui sait, peut-être pourrait te permettre de gagner quelques masques ou insignes. Ne sois pas intimidé, là, va discuter avec les propriétaires des tentes, interroge les machinistes et parle aux gens. Il y a aussi la case au pied de la grande grue. Et toi là-bas, tu trouveras bien les fouilles d'épave paresseux. Tu devras te convaincre d'aller chercher de la ferraille à sa place. À bientôt. Thank you.
D'accord. Le poste de cette sœur, j'étais là tantôt. Ça. Quand on est, voir ce qu'on peut. Ici. J'ai jamais venu ici, c'est quoi? Ouais, les ossements doivent être ici, ouais. Oh, c'est ossement, oh, ça sonne bien comme ça. Ouais. Essaie de surprendre les machinistes, mais Yel sursaut quand je lui dis bonjour. Yel me répond en saluant du bras. Novice, c'est un plaisir de te voir, de te rencontrer probablement. Oui, je crois que c'est la première fois que nous nous voyons. Bonjour, je m'appelle Koalan. Koalan se balance avant en arrière, il parle très vite, presque trop. Ses mots qui s'enchaînent me font penser à une rafale de vent charia. Caillou et brindilles de dunes et dunes sur son passage. Et comment ça se passe pour toi en ce moment? C'est très excitant. Bien, il me semble évident que Kadan a à peine écouté ma réponse avant de m'interrompre. J'aurais besoin de ton aide si tu es dispo, même si tu ne l'es pas, remarque. Enfin bref, j'ai un service à te demander, ça serait très amusant premier. En plus, ça te vaudra un instinct de machiniste. Droit au début, pas vrai. Droit au but, pas vrai. Je sais que vous appréhendez
C'est ça, vos autres navires, la vitesse, c'est votre truc, hein. Et d'autres, trucs aussi, comme enfin, bref. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu gagnes un insigne de machinier, c'est pour ça, il faudrait que tu fasses un petit quelque chose pour moi. Considère que c'est un genre de mission, d'accord? Ce serait amusant, enfin, peut-être. J'ouvre la bouche pour répondre, mais Callan ne me laisse pas le temps. Tu vas devoir te servir de ta tête. Il faut que tu te rendes à la grande horloge et que tu observes le soleil. L'équipement nécessaire te semblera sans doute un peu démodé, pas assez perfectionné, encombrant, archaïque peut-être, mais il fonctionne encore. C'est tout ce qui compte. Observe le soleil et si tu sais, et si tu fais tout comme il faut, la porte visage devrait s'ouvrir dans la salle. Une fois que tu auras vu ce qu'il y a à l'intérieur, reviens me dire. C'est que c'est d'accord, j'insiste, j'inspire le plus rapidement possible pour tenter de dire quelques mots, mais une fois encore, Callan ne me laisse pas le temps. Très bien, merci, tu pourras me remercier, moi aussi, car si tu le fais, tu auras pu le mériter cet insigne. Allez, file, et reviens vite, j'ai hâte que tu me dises ce que tu as vu. Callan me fait signe de m'en aller et je dis au revoir, Callan. Je suis en présence d'Oufu, l'aubergiste du camp. Que puis-je pour toi? Eh bien, j'ai une petite boulot que tu devrais pouvoir faire pour moi. Savez-vous, Elior, j'ignore où elle se trouve actuellement, mais quand je l'ai vue, elle cherchait la chanteuse endormie. Ce sont des véritables baleines de pierre et... Tu ne peux pas le rater. Je peux faire autre chose pour toi? J'ai toujours un petit boulot pour toi, si ça t'intéresse. J'ai besoin de scarabée de bon rang 3 pour être exact, et un novice me semble... être la personne rêvée pour la chercher. Que moi j'adorais à l'époque rencontrer des gens et leur rendre service, bref, sentir utile. Franchement, c'est la seule chose que je t'ai appréciée dans ma quête initiatique, parce que le sable, je disais ça, ça rentre partout. La quête initiatique est juste du sable qui rentre partout. En souriant, je lui demande de trouver des scarabées. Il devrait y en avoir quelques-uns dans la grotte. On en reste, mais si tu en as encore jamais attrapé, je te préviens, rien ne les fait fuir. Sans t'approcher, ils s'enfonceront aussitôt sous la terre et tu ne pourras pas les attraper. Ta seule chance, c'est de les attirer avec à un endroit où tu pourras en plus creuser. Je les réponds que je ferai de mon mieux. Mon camp a toujours vécu dans la dune rose. Nous aventurons rarement là-bas. On rend compte que les anticules de craie étaient autrefois les ossements de créatures immenses tuées par la chute de la baleine et qui, depuis, pourrit au soleil. C'est un peu flippant, je sais, mais moi, ce qui me terrifie le plus, c'est la forêt pétrifiée. On y voit le bout de son nez là-bas. Bonjour novice, tu veux jeter un œil à mes marchandises? Rares sont ceux qui viennent dans cette région du monde. Beaucoup de gens détestent les ossements éparpillés dans les dunes et j'en ai même entendu dire que les dépôts de craie étaient des os anciens, érodés par le sable. Mais si tu apprécies les beaux paysages, il n'y en a pas de plus beau à Maiden. Au revoir.
On va utiliser l'équipement Virtus. C'est la grande horloge pour observer le soleil. Et c'est là. En avant. Oh, la grande horloge. Je vais avoir utilisé l'équipement Vertu. La bouteille de teinture permettant de tenir des couleurs déroulées sur ce sujet. La lueur brille quelque part derrière mes yeux et une bribe de connaissances se forme dans mon esprit. La pierre du soleil se manifeste quand la machinerie est en place, quand le soleil crée des ombres, offre à la pierre la réponse qu'elle cherche.
lueur brille quelque part derrière mes yeux. Une bribe de connaissances se forme dans mon esprit. La pierre du soleil se manifeste quand la machinerie est en place. Quand le soleil crée des ombres, offre à la pierre la réponse qu'elle cherche. Pas trop certain de comprendre. Il en manque une.
J'ai l'air de briser derrière ici. Ouais, il manque un. Ah, ok, mais il manque un morceau. Faut que j'essaie de trouver, voir s'il n'y a pas un morceau quelque part que je pourrais. Ah, on va fouiller un peu, voir si on peut pas trouver un morceau qui m'en... Ouais. Yeah.
Peut-être juste une plante, ouais, c'est ça que c'est. Il en manque un. Oh, mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose, faut ramener. Oh putain. Ouais, rayon de lumière, mais...
Bon. Vérifier l'extérieur, pour ça je vais vérifier voir ce que. Thank you.
Ouais, je pense que je pourrais pas trouver celui-là. Non. Oh, c'était un tel moment. Oh, faut que je regarde au début que ça avait de l'air.
Je vais voir si c'est quelque chose au masque. On va voir le début, qu'est-ce que ça a de la... La lune doit être là, le soleil doit être là. Pas tout d'être ça. Une photo chacun des côtés. Une lueur brille quelque part derrière mes yeux et une bride de connaissance. Oh, je dis.
Il faut toutes les planètes peut-être rentrer dans celle-là, là-bas. On va essayer après. Oh, c'est ça. Eh oui. On a peut-être une partie, hein. Ouais, peut-être terminée au complet, je sais pas. Sur la planète. J'aimerais bien aller voir ce que c'est dans cette salle. Réseau d'énigmes de la Grande Horloge, réussi. De projection apparaît comme par magie et dans sa géographie géométrie flottant au-dessus du sol, je vois les lumières qui brillent dans le ciel nocturne. Je vois d'où nous venons. Alors que je me concentre sur chaque élément de cette complexe visualisation, je réalise qu'un certain savoir m'est transmis et je comprends des choses. Les connaissances semblent à la fois nouvelles et innées, comme si quelque chose me rappelait ce que je sais déjà et que j'avais oublié. Je décide de me concentrer sur soleil. Je vois clairement le gros orbe brillant au centre du spectacle. Et notre soleil, il est si brillant que je ne peux pas le regarder en face sans ressentir une immense chaleur à l'intérieur de notre crâne. Les corps célestes tournent autour dans une danse permanente. Je décide de me concentrer sur la petite planète proche. Émise sur les deux lunes tournent autour du soleil, tout près, telle de, des papillons courtisant une flamme, émise la déesse à tête de chèvre, divinité gardienne des galaxies. Les histoires évoquant la sagesse et la détermination de celle-ci, je préférais, étant petite, elle me semblait plus accessible que les autres dieux. Mes mentors disaient que c'était vers elle qu'on se tournait quand Rana était trop préoccupée pour nous entendre. J'aimerais que la présenter sur une falaise surplombant l'aiguillère contenant le monde de sagesse. Ma professeure m'expliquait également que grâce à certains masques, il était possible de voir l'ombre d'Emi de grands
soleil, j'essaie de me concentrer sur la deuxième planète. La deuxième planète, Milden, est la nôtre. Une sphère de sable et de rocailles sans rien de spécial, réchauffée par la puissante énergie de la perpétualité. En la voyant ainsi, je vois aussi un autre aspect de la perpétualité et je peux m'empêcher de remarquer que nous semblons pris au piège de notre planète. Je me sens soudain glacé, mais je me réchauffe vite en me ravissant. Non, Maiden ne nous retient pas prisonniers, elle nous protège. Cette idée me permet de ressentir un certain réconfort et je décide de me concentrer sur une forme inconnue. Je la contemple d'une forme que j'ai bien du mal à décrire. Sa géométrie est pure et étrange à la fois. Tellement bizarre qu'elle ne peut pas être organique. Je comprends immédiatement ce quoi il s'agit. L'abîme, la chose impossible qui a donné naissance à la baleine. Grâce aux histoires que j'ai entendues et au savoir qui continue de s'éveiller en moi. Je sais qu'elle a été créée par un être vivant, des créatures douées de conscience, ayant des projets et des intuitions. Mais même si je connais cette chose, je suis incapable de l'appréhender. Elle est si massive et si impressionnante que même s'il s'agit que des répliques, je n'arrive pas à la regarder plus près. Quelque chose en moi n'a que mépris pour elle, même si j'ignore pourquoi. Je décide de me concentrer sur l'anneau scintillant, à l'éolant, un anneau scintillant de poussière dorée. Les particules semblent flotter au gré de douces brises traversant le firmament. Tant ce elle qui conscientue les étoiles. Je décide de me concentrer sur la planète avec des anneaux. Scarabée et les ailes. Lorsque je me représente, la planète dotée d'anneaux est intégralement peuplée de scarabées vivant au sein d'une société extrêmement évoluée. Ce serait l'endroit rêvé pour Seyma, mais pour moi, pas vraiment. En plus, elle a l'air plus grosse que les autres planètes. Ce serait beaucoup de scarabées. Il est temps de passer à autre chose. Je décide de me concentrer sur la planète jumelle. Planète jumelle, corail et cobalt. Elles semblent y avoir de petites lunes entraînées dans leur sillage. Elles traversent le firmament. Le maman, d'une manière si hypothétique que j'ai du mal à détourner le regard. Les deux poissons, comme on les appelle, sont les plus malicieux, les dieux. Et je me souviens des légendes dans lesquelles ils se déguisent en enfants pour attirer les nomades et les noyer dans les courants des dunes. Et Bexy raconte des histoires effrayantes pour empêcher les enfants trop intrépides de s'aventurer loin de chez eux. Du coup, on peut presque s'étonner que nos parents nous laissent partir en quête initiatique. Une partie de moi regrette que les poissons se soient revenus en mémoire. Je risque d'avoir du mal à ne pas me méfier des enfants errants que je choisirai maintenant. Je décide de me concentrer sur la belle César lorsque je me présente. Je l'ai déjà lu. Je cesse de me concentrer sur un incroyable spectacle et je suis heureuse de l'avoir vu. Il est temps pour moi de passer à autre chose. Quête mise à jour, je serais bien de retourner. Au cas où.
Ouais, je ferais bien de retourner voir Kalan encore. Bon, on a réussi ça, je suis surpris. À un moment donné, je pensais que j'allais vérifier sur Internet, mais on a fait ça comme un grand. Salut, Mimille 87, comment ça va? Ça va bien? C'est-tu Mimi ou Mimille? Ça va bien, merci. Kalan me dit bonjour. Alors, as-tu observé le soleil novice? Oui, et les portes sont ouvertes. Et tu as vu ce qu'il y avait à l'intérieur? Oui, c'était une représentation du système solaire. Oui, c'est ça que j'espérais entendre dire. Bravo. Et tu peux être fier de toi. Ça fait du bien de te servir de sa petite tête, pas vrai? Préférant ne pas révéler sa référence à ma petite tête, je lui demande si ce que j'ai vu lui est utile. Énormément, plus que tu ne peux imaginer pour des raisons que, disons, que ça me garde, ça m'aide. Par rapport à certains calculs et réflexions que je... Pourquoi ces questions sur moi? C'est plutôt toi qui m'intéresse. As-tu pris quoi que ce soit? J'ai réfléchi à la perpétualité. Je lui réponds que j'ai longuement réfléchi à la perpétualité et sa relation avec nous. Fascinant, je vois bien que Kalan pense déjà à autre chose. Je ne sais toujours pas pourquoi. Il m'a posé ces questions, mais je suis heureusement heureuse quand il m'offre enfin ma récompense. Voilà ton insigne, porte-le avec fierté et te rappelant que tu l'as gagné en te servant de la petite tête. Et peut-être qu'un jour, j'aurai le plaisir de te voir aborder un masque de machiniste. Je te dis au revoir, Kalan. Ça va bien, Mimi? Et toi, ça va? Tu viens d'où, cher ami? Juste sauvegarder. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Sable Life sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!